Aussi naturelle qu'elle puisse paraître, Faustine Bollard est-elle aussi passée par la case chirurgie esthétique et elle ne s'en cache pas. Dans le magazine Gala paru le 18 mai 2023, l'animatrice est revenue sur sa petite opération et a évoqué son avis sur la chirurgie dans son ensemble. À 44 ans, Faustine Bollard a tout d'une femme belle et accomplie. Animatrice de renom, épouse amoureuse de l'écrivain Maxime Chattam et maman comblée de Abby, née le 18 juillet 2013, et Peter, née le 24 juillet 2015, elle n'a plus besoin de rien pour être heureuse. Mais si les choses viennent à changer, elle n'hésitera pas à faire le nécessaire pour retrouver sa sérénité. Physiquement parlant, la présentatrice de Ça commence aujourd'hui n'est d'ailleurs pas contre la chirurgie esthétique. La preuve, elle est elle-même passée sous le bistouri il y a quelques années. En effet, dans les colonnes du magazine Gala, Faustine Bollard a mentionné sa fameuse opération des paupières et a tenté de déculpabiliser les femmes qui songent à se faire refaire une partie de leur corps. Parfois, il vaut mieux agir assez jeune. Un lifting, par exemple, peut intervenir au début de la cinquantaine. Il est dommage de se priver de belles années, a-t-elle assuré. Complètement transparente avec son public, elle n'a jamais caché être passée par la case chirurgie esthétique. Néanmoins, si elle n'avait pas parlé, personne ne se serait aperçu de rien tant le résultat paraît naturel. Je me suis fait refaire les paupières, parce que j'avais les paupières un peu tombantes. Ça me faisait un petit théâtre de boulevard, expliquait-elle face à Thierry Ardisson en 2019. Quelques mois plus tard, alors qu'elle était interrogée par nos confrères de Télé-Loisirs, Faustine Bollard s'était ouvertement agacée des nombreuses critiques reçues suite à l'annonce de son opération. J'avais un défaut qui m'énervait et je l'ai corrigé, si est-il tout. Avoir les paupières tombantes, ça me dérangeait, d'autant plus que je travaille à la télé avec une caméra braquée sur moi. Ça va, on est en 2019, on a le droit de pouvoir corriger ce que l'on veut, fulminait-elle alors. Pour Faustine Bollard, l'image est d'autant plus importante qu'elle se voit quotidiennement à travers un écran. Aujourd'hui, je me vois vieillir en HD. Je dois lutter pour ne pas filtrer mes photos sur Instagram. Mais je suis mieux dans ma peau, affirmait-elle en 2021 auprès de Gala encore une fois. Si elle n'est pas 100% à l'aise avec son corps, la jolie brune se dit cependant mieux dans ses baskets que durant sa jeunesse.